Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Andron pour l'épisode 16 de mon Let's Play sur le jeu sport saison 3. Alors, je vous avais laissé la dernière fois, il fallait qu'on terraforme la planète Oru en T3. Vous n'avez plus de place pour stocker l'épice? Ah bah oui, effectivement, vu tout ce que j'ai comme foutoir sur moi là. Bon, alors, on va poser cette... On va pas poser tout de suite, on va... Ah, d'accord, la densification est juste bonne, il fallait juste que j'ai un... J'ai combien de... Ah, j'ai deux pluies de météores. Vous êtes trop bons, les mecs. Donc, on va en caler une deuxième. Quoique... Ah, merde, c'est peut-être pas indiqué, ça. J'espère que ça va passer. J'aurais peut-être dû attendre parce que là je suis pas sûr que la deuxième soit si utile que ça et ça risque pas de dépasser un petit coup là. Ok, on est passé. Est-ce qu'elle est là? Non. Ah merde, c'est vrai, ça sert à rien. Déjà, l'espèce est déjà présente. Ok. Il me faut une plante moyenne. Stabilisation de l'indice T. Zut. Ça les tue, donc il faut y aller doucement. Et il faut une créature carnivore. Me dis pas que j'ai pas de créature carnivore en plus. Ah. Je pense que celle-là, elle était déjà là. Celle-là aussi. Évidemment, j'ai plus de créatures carnivores, quoi. J'arrive pas à voir si... Bon, on va aller chercher une créature carnivore ailleurs. On va récupérer les épices. Toc. Alors, une créature carnivore... J'espère que c'est pas les mêmes que ce qu'il y a ici. Je sais plus, peut-être. Déjà, il n'y a pas de créature carnivore. Ok, ça m'aide bien. Toc, j'ai oublié de passer ma molette en mode décranté. Faut faire ça vite. Faut faire ça très très vite. C'est une T2. Intéressant. Y'a rien à côté? Bon, attendez, on va chercher. Mais alors, tu trouves pas de carnivore? Ma soute est pleine. Évidemment, du coup, il y a plus les créatures. Comme ça. Vélopsiraptor. Ils ont fumé quoi, les mecs, quoi. Allez, on rentre. Il faut vite qu'on aille stabiliser l'indice T. Stabilisons l'indice T. Et pof, ça y est. T'arrêtes de bouger là, le petit indice machin là. Et qu'est-ce que tu fais? Tu bouges plus, tu sors pas du T3 hein, parce que là sinon je vais m'énerver. Bon allez, une nouvelle option de colonisation s'offre à nous. Où est-ce que je vais me caler? Je vais me caler là. Voilà, on va pouvoir encore booster les capacités de cette planète. Toc. Alors, là, ça va coûter super cher. Mais j'ai 1 million et des patates, donc ça devrait aller. On commence par l'usine. Donc non, là, on met le complexe.
Ensuite, usine. Ok, qu'elle est bien. Ici, ça passe bien. Du plus 56 à l'heure. Et si on recale une usine ici. Non, une usine, j'ai dit. Ça va faire une production de foufou. Voilà, il y a un complexe ici pour augmenter un petit peu. Voilà, du plus 86,4 par heure. Ce qui est complètement pété, j'ai envie de dire. Parce que là, je crois que ça va faire du. Attendez, plus 80. Je crois que j'ai deux fois plus 80, plus 160, plus 50. Ouais, du plus 200 à l'heure. Je pense que là, on aura suffisamment de production pour être tranquille. Et donc, on a validé la planète T3 de la couleur d'épices violettes. Ce qui est plutôt très très cool. On va pouvoir vendre tout ça. Toc. Donc ça, on va garder. Réparer, ravitailler. Marchand 5, stimulateur de bonheur. Ok. Alors, maintenant, il faut qu'on colonise d'autres planètes. Déjà, on va acheter des... Zut. On va pas acheter tout de suite. On va aller acheter des... Ah, zut, des colonies express. Bon, c'est pas aussi peu cher que ce que je pensais, mais c'est pas mal. Toc, touche à tous deux. Alors, donc j'ai de l'épice verte que j'ai chopé dans le dernier épisode, l'épice violette, l'épice rouge, il faudrait de l'épice jaune. Là, il y a plein de systèmes avec de l'épice jaune qui sont déjà un peu terraformés. On va aller voir si on peut pas prendre ce système, de toute façon il est pas très loin en plus. Oh, il y a quelque chose sur Balokov, ouais. Qu'est-ce donc? J'ai genre plus de place dans mon inventaire par contre. C'est Livre de la science, tome 2. On va s'installer ici. On va en profiter. Bon, par contre, il faut qu'on mette des trucs. On peut pas installer de... Ah, c'est juste parce que... Toc. Donc, il faut mettre des grands arbres. Voilà. On va mettre un Pikachu, en plus ça libère un emplacement. Vélociraptor. Et... il faudra encore un herbivore. Stop. Stabilisation de l'écosystème. On est bon. D'ailleurs aussi, on va poser des bâtiments. On va sélectionner de base. Je vais pas me casser les pieds à refaire un bâtiment. À refaire des bâtiments. Ça m'embêterait plutôt. Validé. Une usine. Voilà. Donc là. Oui, je chante. Non, évidemment, c'est pas bon. Donc le complexe, sachant que je vais être rapidement limité. Voilà. Indice T trop bas. Au moins, on a du plus 28 par heure en. Avec cette épice, mais il faut qu'on améliore un petit peu. Donc il faudra densifier l'atmosphère et refroidir. On va pas qu'on oublie ça. Parce qu'il va falloir s'occuper de celle-là aussi pour faire une T3. Je rappelle qu'il faut une T3 par épice de couleur. Donc voilà, là on aura des T3 jaunes. Je suis curieux de voir combien c'est déjà. 9. Ça va super vite. 10. Ce qui est très très cool d'ailleurs. On va pouvoir rentrer vendre. Il faudrait vraiment que j'ai une soute supérieure. Je vais regarder qu'est-ce qu'il faut pour les soutes supérieures. Parce que là j'ai genre plus de place du tout. Alors, que faut-il pour les soutes supérieures? Ça doit être là-dedans. Missile proton. Non, on s'en fiche. Lobotomie, on s'en fiche. Grande soute. 20 objets d'art. D'accord, donc en fait il faut récupérer des objets sur des planètes. Parce que là, ça va vite être indispensable, cette grande soute. Qu'est-ce qu'il y a? Accepter ce don de 10 000 sportflouzes, il n'y a pas de piège pour lui. Quoi? Mais pourquoi? Ok, d'accord. Alors, eux, ils sont très très forts. Regardez dans le système. Il y a plein de planètes à épices. Ils se sont installés sur la seule planète où il n'y a pas d'épices.
Je viens de voir un Pikachu passer quand même. C'est bizarre. Alors attendez, petit compte, il manque du bleu, je crois qu'il manque du bleu. Hein. Oula, attendez, excusez-moi. Ah ouais, excusez-moi. Oui. Donc je disais, épices bleues, il faut que je trouve de l'épice bleue parce que je crois qu'on a la violette, de la rouge, de la jaune, de la reviolette, de la verte. Il manque l'épice bleue et l'épice rose. Évidemment, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'épices bleues dans le coin. Alors que j'aille plus loin. On va aller voir plus loin si on y est et si possible si on peut trouver des objets d'art pour obtenir la grande soute. Alors, le bus de Bradford qui fait partie des 10 statues rares. Donc plus que 2 objets d'art et ça sera bon. Ça c'est du jaune. Misery. Toc. Hop, pierre de vie 5. Est-ce qu'il me reste de la place? Non, il me reste pas de place, il va falloir que j'aille vendre. Là, il n'y a pas de bleu, quoi. Là, il y a du rose. Faudrait voir si on peut pas tisser un lien commercial. Oh, il y a quelque chose ici. On va leur vendre, d'ailleurs. Toc, vente. Vente. Il y a des colonies express pas chères. Il y a des pluies de météores pas chères. Il y a des tempêtes glaciales pas chères. On va tout acheter en mode pas cher. Enfin, ils sont pas très très chers, en tout cas. Le cercle de culture, bon, voilà, c'est l'item, c'est toujours pas mal. Donc on va acheter plein de trucs, parce que de toute façon, je vais avoir un paquet de trucs qui va arriver avec mon épice violette. Diplomatie. Axe commercial. Nickel, ça y est, l'axe commercial est lancé. Plus commerçant 1 qui est arrivé. Ah, j'ai fait un paquet d'échanges commerciaux. Qu'est-ce que je voulais faire déjà? Ah oui, c'est vrai, j'étais parti pour me décharger, mais je l'ai fait. Il faut que j'aille récupérer l'objet rare qui est ici. Et par contre, j'ai claqué un max de thunes, en fait. Allô. La statue des trois moustiquaires. Oh non! Oh non, la statue des trois moustiquaires. Sérieusement? Ah mais c'est pas de l'épice rose, c'est de l'épice violette. Oh le fail. Bon bah c'est pas grave. On va aller voir d'ailleurs notre épice violette qui est ici. Toc, plus 14, nickel. D'ailleurs on va vendre ça. Ouais, t'es content, mec. Je sais. On va aller vendre l'épice violette. Stortor, de sort. Oula, 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 oula. Je crois qu'il y a une guerre, là, qui est entamée. Oh, merde, 38 000, quoi. Ça fait beaucoup moins cher. Non, 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 je vais pas vendre. Ça fait quand même pas beaucoup cher. Je suppose qu'ils sont en guerre. Ah, non. Ok, d'accord. Alliance. Rayon de joie midi, Saint-Bernard. Encore un don. Ok, donc c'était pas des guerres du tout. Non, non, c'était bel et bien des trucs gentils. Une alliance et un don. Bon, bah pourquoi pas. Hein. Si c'est toujours ça, moi je dis ok. Là, il y a du viol, il y a du vert. C'est marrant, c'est pas les épices censées être les plus rares que j'ai vraiment du mal à trouver. Have you seen this guy? Oula. Qu'est-ce que c'est que cet empire? D'accord, ils sont gentils de base. Have you seen this guy? Bon, on pourrait avoir la transmission correcte.
C'est bon, arrêtez de grésiller. Oula. Ah oui, c'est spécial. Donc, les pistes de LED se vendaient à 28 000, mais c'est pas ce que je cherche. Vraiment que je trouve un... Ah, de l'épice rose. Bon, il est genre super loin, le... La planète est super loin, mais bon... Oula. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Wow. Genre, ils ont... on dirait qu'il y a des gros gros blocs qui sont posés. Allez. Empereur 2, qui donne accumulateur de nuages et aspire nuages. Donc, ah ouais, c'est le vaisseau allié, c'est un flingue. Mais c'est super bien fait. Les mecs qui font ça, ce sont des gros gros génies. Toc, on va poser des bâtiments. Ah, ça me fait penser que j'ai plus du tout de... Enfin, j'ai plus du tout. J'ai plus mon truc qui me permettait... Enfin... Ma planète où je pouvais vendre mes épices violettes à un bon prix, ce qui permettait de renflouer les caisses. Là, ça va être vraiment short, du coup. Usine. Même principe. Ça passe bien. Indice est trop bas, c'est pas très grave. Bon, on sait qu'on a l'épice rose ici. Ce qui est déjà une bonne nouvelle. Ah, d'ailleurs. Ah bah voilà! Suffisait de demander. Ah ouais, accumulateur nuages, tout ça, c'est des items à utiliser en continu. Ce qui est très bien d'ailleurs. Ce qui est très très bien. Bon, par contre, ça coûte quand même super cher. On va voir s'il n'y a pas d'autres empires qui les achètent un peu mieux. Genre pour moins cher. Bon, là, il faut que je règle le problème de la soute aussi. Qui est vraiment trop petite. Allez, je croise les doigts pour que ce soit encore un objet d'art. Normalement, c'est le dernier. Les soucoupes ennemies attaquent. Alors, attendez, j'ai toujours pas le... Ok, il m'en manque un. Castasis. Faut aller à Castasis. En fait, je suis super loin. Non, aussi que j'ai le nouveau moteur interstellaire. Ils sont attaqués. J'arrive. Faudrait que je mette des systèmes de défense un peu partout. Ça y est, mon allié s'est fait défoncer. Et en même temps, il file toujours des vaisseaux tout pourris, quoi. Voilà. Toc. J'essaie de me démerder avec les missiles. Voilà. Ok. Donc pour vendre ça, on va lui acheter l'épice jaune. Ah oui, c'est vrai que j'ai une mission à terminer, là, la colonisation de plusieurs planètes. Et on a dépassé, on a redépassé le million, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On va chercher cette épice violette. Notre manne céleste. Et mais je suis abruti, il y a de l'épice bleue. Qu'est-ce que je peux être bête. Moi, j'allais dire un autre mot, mais bon, on va rester poli. Je suis complètement un abruti, quoi. Incroyable. Bon, allez, vous m'enlevez un petit peu le... les arbres qu'il y a en plein dans ma... Voilà, colon 3. Toc, et on change de grade. Et on passe honorable. Et ça fait 20 minutes.
Normalement, ça passe au niveau de la désactivation. Ah non, il manque des carnivores. Carnivore terminé. On va coloniser correctement cette planète. Et il faudra qu'on la monte en T3, elle aussi. On a pas mal de planètes à monter en T3. Et on aura réalisé le défi. Ça, normalement, ça me prendra un ou deux épisodes. Normalement. On verra bien qu'est-ce que ça donnera exactement. Là, indice était trop bas. Mais on fait quand même du plus 28 par heure, ce qui est un minimum. Donc on a deux planètes colonisées dans ce système. Oh. Voilà. On est bien. Oh, en plus, on a de très bons états et grande capacité énergétique de disponible. C'est nickel. Faudra juste que je me trouve un empire qui accepte de me les acheter pour pas trop cher. Enfin, de me les vendre, plutôt. Pas de les acheter. De me les vendre pour pas trop cher. Bon, en tout cas, on va arrêter là l'épisode parce que ça fait un peu plus de 20 minutes. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à partager cette vidéo si vous avez aimé, à mettre un pouce bleu si vous n'avez pas aimé, un pouce rouge si vous avez pas... si vous... Non, un pouce bleu si vous avez aimé, un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, voilà, mettons les choses dans l'ordre. Quant à moi, je vous dis dans 3 jours... Quoi ? Ok, d'accord, faudra que je drague. Quant à moi, je vous dis à dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut à tous !